Notre rédaction nous amène aujourd'hui à la chasse aux météorites, ces objets longtemps considérés comme des messages du ciel et qui sont devenus, après avoir été le domaine réservé d'une poignée de scientifiques, des objets en vogue, peut-on dire. On les recherche, on les collectionne, on les expose, on se les revend, parfois à prix d'or. Les expéditions se multiplient dans les déserts algériens, marocains ou libyens, et les scientifiques s'en réjouissent car les météorites recèlent la mémoire de notre système solaire. Il en tombe pas moins de 100 000 tonnes par an, dont les 9 dixièmes n'atteignent pas le gramme. La majorité d'entre elles proviennent de très loin. Quelques-unes, les plus intéressantes, arrivent tout droit de la Lune ou de Mars.